And Elisha Élisée said, a dit, I want your car. Je veux ta voiture. Elisha said, Élisée a dit, please let me stay in your house. S'il te plaît, je veux rester chez toi, dans ta maison. Please let me have your money. S'il te plaît, je veux avoir ton argent. Because you are a rich prophet. Parce que tu es un prophète riche. Elisha said, Élisée a dit, please let me have your wife. S'il te plaît, je veux ton épouse. Today I want to ask you, aujourd'hui, are your eyes fixed on? Je veux te poser une question. Sur quoi est-ce que tes yeux sont fixés? Yes. Your eyes must be fixed on the anointing. Tes yeux doivent être portés, fixés sur l'onction. Not on anything else. Pas sur autre chose. I've been with Benihin a number of times. J'étais avec Benihin plusieurs fois. Once I was having dinner with just myself with Benihin. Une fois moi et lui seul on mangeait ensemble. And we were talking. Et on parlait. I was just the two of us. Juste nous deux. There are many things you can learn. I mean, you can notice. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez remarquer. Many things. Beaucoup de choses. Yeah. Many things. Beaucoup de choses. There are many things I didn't know till I got to know him personally. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais avant de le connaître personnellement. I started to notice all those things. J'ai commencé à remarquer toutes ces choses. Yes. Oui. But you know. Mais vous savez. If you are to benefit. Si vous devez avoir bénéficié. From a great man of God. De profiter d'un homme de Dieu. Like Benihin. Comme Benihin. Your best bet. La meilleure chose que tu peux faire, to focus on only one thing. C'est de focaliser sur une seule chose. The anointing. L'onction. I've not seen a more anointed person than Benihin. Je n'ai pas vu une personne plus ointe que Benihin. You know, I was talking to one pastor. Je parlais à un pasteur. And he was telling me he used to interpret for Benihin. Et il me disait qu'il était interprète pour Benihin. He said there were times that a wind blows on the stage. Il disait parfois il y avait un vent qui soufflait sur les stades. He said for power. Pour la puissance. And anointing. Et pour l'onction. What he has seen. Ce qu'il a vu. By working with Benihin. En travaillant avec Benihin. Il n'a pas vu ça auparavant. J'ai plus jamais vu ça. And it is true. Et c'est vrai. But. Mais. What happens. Ce qui se passe. Most of the time. La plupart du temps. Is that people. C'est que les gens. Don't look at the anointing. Ils ne regardent pas l'onction. But look at other things. Mais ils regardent autre chose. Yes. You know, most of the time when we have crusades. La plupart du temps quand on a des croisades. And then we have pastors' conference. Conférence des pasteurs. I notice. Je remarque. The pastors are looking at our money. Les pasteurs regardent notre argent. They feel we have a lot of money. Ils pensent que nous avons beaucoup d'argent. That's how come we can come with trucks. Et c'est comme ça, c'est la raison pour laquelle on peut arriver à do this big crusade. Faire ces grandes croisades. In their city. Dans leur ville. Come all the way from Ghana. Venir depuis le Ghana. To Mozambique. Jusqu'à Mozambique. To South Africa. Jusqu'à l'Afrique. To Zimbabwe. Au Zimbabwe. To Senegal. Au Sénégal. with all these things. Avec toutes ces choses. They look at the money. Ils regardent l'argent. But you see, that is a mistake. Mais c'est une erreur. Whenever you see a man of God. Quand vous voyez un homme de Dieu. Try not to see all the other things. Essayez de ne pas voir ou regarder les autres choses. Try not to see color. Essayez de ne pas voir sa couleur. Try not to see money. Essayez de ne pas regarder l'argent. Because it will confuse you. Et vous serez confus. You will think that if I have money, vous allez vous dire si j'avais I can do all these things. Je peux aussi faire ces choses. Yes. Oui. You know, Benihin saw a picture of one of my crusades. Voyez, Benihin a vu une photo de une de mes croisades. In my office. Dans mon bureau. And he was amazed. Il était étonné. He said, how much does it cost? Combien est-ce que ça vous coûte? To do this. You care? C'est grand croisade. Yes. He has stopped doing crusades. Oui, il ne fait plus les croisades. Yeah. And we are still doing. Et nous, on fait toujours. So it's not by the money. Donc ce n'est pas une question d'argent. Most of us, la plupart d'entre nous, are looking at the wrong things. On regarde aux mauvaises choses. And what you are looking at, ce que vous regardez, wrongly,
is going to affect you. Va vous affecter. Amen. So keep your eyes. Donc gardez vos yeux. On what? Sur quoi? I can't hear you. Sur quoi? I can't hear you. Je ne vous entends pas. On the anointing. Sur l'onction. Why? Pourquoi? Because. Parce que. The anointing. L'onction. Changes everything. Change tout. Now, if you were to have a chance to be with Jesus, et si tu avais la possibilité d'être avec Jésus, I'm sure some of you, je suis sûr que certains d'entre vous, vous ferez cette erreur. When you see Jesus, quand vous verrez Jésus, you start to look at his eyes, vous allez regarder à ses yeux, then you start to look at his beard, et vous allez regarder à sa barbe, and you say to yourself, et vous diriez, maybe the beard is too long. Peut-être la barbe est trop longue. Then you start to look at his sandals. Et vous allez voir ses sandales. And his toes. Et ses orteils. Then when Jesus is eating, et quand Jésus mange, you start to look at how big of the fish he's eating in one bite. Tu vas voir combien de la taille de la bouchée qu'il va prendre. Si le poisson est trop grand ou pas. And you will see all the wrong things. Et vous allez voir ce qui n'est pas important. One day, un jour, I was eating, je mangeais in Mexico, au Mexique, and I was sitting with somebody, et je mangeais avec quelqu'un, and the person made a comment about the food I was eating. Et la personne a passé un commentaire sur ce que je mangeais. I said, look at this. Je dis, mais regarde, I shouldn't have eaten with you. Mais je ne devrais pas manger avec toi. For you to take a comment about my, but instead of seeing and eating, you are looking at what I'm eating. Au lieu de regarder l'onction sur moi, tu regardes. Voyez, c'est pourquoi ce n'est pas bon d'être trop proche à un homme de Dieu. Parce que quand vous êtes proche, vous ne pouvez plus recevoir. Vous allez regarder autre chose. When I sat with Benny, j'étais assis avec Benny. I don't have to tell you what he ate. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il a mangé, ce qu'il n'a pas mangé, and what he said, ce qu'il a dit about the food. Concernant la nourriture, it will not help you. Ça ne va pas vous aider. If you were to sit with Jesus. Vous serez choqués. How much he eats? Combien il mange? Jesus was known for eating. Et Jésus était connu pour ce qu'il mangeait. Yes. You know, one day. Un jour. Say one day. One dit day. Un jour. I went to a certain country. Je suis allé dans un pays. And it was lunch time. Et c'était l'heure de manger. And they took us to a restaurant. Et ils nous ont amené à manger. And they said, oh, what will I eat? Et ils m'ont demandé qu'est-ce que j'allais manger. So I looked at the menu and said, I'll eat this. J'ai regardé au menu et j'ai dit, je vais manger ça. So the food came. Donc la nourriture est venue. Hey, when you were eating, quand on mangeait, the man asked me, l'homme m'a demandé, are you not going to fast? Tu ne vas pas jeûner. Are you not going to fast? Est-ce que tu ne vas pas jeûner? After you've given me lunch to eat, après m'avoir donné à manger, you are asking me whether I will not fast. Vous me demandez si je ne jeûne pas. He said because, parce qu'il a dit, another pastor who came here, un autre pasteur qui est venu ici, he was ministering powerfully. Il exerçait un ministère puissant. He only fast. Mais il jeûnait seulement. So he was expecting me to fast. Donc il attendait à ce moment-ci je jeûne. At the same time, give me food. Et en même temps, il me donnait à manger. It's not by fasting or no fasting. Ce n'est pas en jeûnant ou pas jeûnant. Jesus never fasted again after these 40 days and nights. That was the end of fasting. Jésus-Christ après les 40 jours de jeûne, il n'a plus jeûné, c'était la fin. After that was eating. Après cela, c'était manger. A miracle. Et les miracles. I always thought that miracles happen when you fast. Je croyais toujours que les miracles se produisaient quand tu jeûnais. Lord, the greatest miracles I've seen. Les plus grands miracles que j'ai jamais vus. I was not fasting. Je ne jeûnais pas. Yeah. Non. Greatest. Les plus grands. Yeah. Hey. You know, one day I was in Colombia. You know Colombia. Connaissez la Colombie? A big incense in a stay of 100,000. C'est une grande croisade dans un salle. Des centaines de. Five days. 5 jours.
des miracles. Will just from this end of the stage to this end of the stage light up like this. Tous les jours quelque chose d'autre, des aveugles, tout. After the first day of miracles, après le premier jour des miracles, I said, je me suis dit, ah, maybe it is the food I ate in the afternoon that is bringing the power. Peut-être que j'ai mangé l'après-midi qui apporte la puissance. Because the power was too much. Parce que la puissance était trop forte. So I went back to the same restaurant. J'ai allé au même restaurant. I said, give me what you gave me yesterday. Et moi, c'est ce que tu m'as donné hier. Fantastic. You know, I was afraid God is not going to move. Et j'avais peur que Dieu n'agisse pas. Because I have eaten. Parce que j'avais mangé. In those days, à l'époque, if I eat, I feel God cannot move. Je pensais que si je mangeais, Dieu ne pouvait pas agir. But that was what I saw. Et c'est là où j'ai vu. Even when I'm eating, que même quand je mange, God can move. Dieu peut agir. On the fourth day, le quatrième jour, the dead was raised. La mort était ressuscitée. At the end of the fourth day. C'était le troisième quatrième jour. Et un mort qui est ressuscité. News spread. Et la nouvelle s'est répandue. News spread. Et la nouvelle dans toute la vie, the next day, le lendemain, they brought dead people. Ils ont amené des morts à la croisade. As dès que je suis arrivé, I was surrounded by soldiers. J'étais entouré par des soldats. I had soldiers with me throughout. Il y avait des soldats tout le temps. And they took me. Et ils m'ont conduit. They said the dead have been brought here. Ils ont dit ils ont amené des morts ici. I came to the stage. Quand je suis allé sur les tables, and they said, ils ont dit, ils sont là. And I looked. Quand j'ai regardé, dead. Il y avait un cadavre covered with white sheet. Avec un drap blanc to the face. Everybody had said that the dead was raised. Tout le monde avait entendu qu'il y avait un mort qui était ressuscité. They were not bringing sick, they were bringing the dead. Ils n'amenaient plus les malades, mais les morts. So I went back to the same restaurant. Donc, je suis retourné dans le même restaurant. I said, what is the recipe for this food? Et puis, la recette pour ce que tu as préparé. Hey. So now it's one of my favorite foods. Donc, c'est un de mes nourritures préférées maintenant. Miracle food. Nourriture de miracle. Listen, my friend. Don't look at food. Ne regardez pas à la nourriture. It is the anointing which is working. C'est l'onction qui est à l'œuvre. It's not by power. C'est ni par la force. It's not by might. Par la puissance. It's by my spirit, says the Lord. It's by my spirit, says the Lord. Par mon esprit. It's by my spirit, says the Lord. Par mon esprit. It's by my spirit, says the Lord. Par mon esprit. I have learned. J'ai appris. To trust in the Holy Spirit. De faire confiance au Saint-Esprit. That to trust in strength. Que de me confier à la force. Now, Jesus. Et non, Jésus. Never did miracles. Il n'a pas fait de miracles. Yes. Till. Jusqu'à. He was anointed. C'est qu'il soit oint. Amazing. C'est étonnant. He was known as the best carpenter in Nazareth. Il était connu comme le meilleur charpentier à Nazareth. If you need your wardrobe, si tu avais besoin d'un garde-robe, Jesus. Jesus. If you need a table, si tu avais besoin d'une table, Jesus. Jesus. If you need a roof, Jesus used to find roofs all the time. Yeah. Il montait toujours sur les toits en train de couer. Coffins, he was good at making coffins. Il était excellent dans le fabrique des cercueils. Furniture. You pass by the roadside and you see Jesus' furniture works. À côté, au bord de la route, il y avait les œuvres de meubles de Jésus. The best chairs in Nazareth. Les meilleures chaises à Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. That is why when he started preaching, he came to Nazareth. The people said, no, no, no. Pourquoi quand il a commencé à prêcher, il est arrivé à Nazareth? Les gens disent, non, 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 non. Tu dis quoi? Tu es le fils de Dieu. Imagine. You are well known here as a carpenter. Ici, tu es connu comme charpentier. How can you change overnight into a son of God? Tout d'un coup, tu dis que tu es le fils de Dieu. By the anointing. C'est pas l'onction.
ont une vingtaine. Ils avaient 20 ans. Peut-être 22 ans. Because usually the leader is older than most of the people that follow him. Parce que très souvent le leader il est plus âgé que ceux qui suivent. Jesus was just 30. Et Jésus il avait à peine 30 ans. Donc les autres étaient dans une vingtaine. Peter was the most frightened boy in town. Pierre était le garçon le plus peureux en ville. Thomas, John was a teenager. Thomas, Jean était adolescent. No power. But when the mighty Holy Ghost, et quand le puissant Saint-Esprit, when the mighty Holy Ghost, le puissant Saint-Esprit, came on earth, est venu sur eux, 23-year-old John Peter, un Pierre de 23 ans, stood up and began to preach. Et il commence à prêcher. We read it in Acts chapter 2. On le lit dans Acts chapitre 2. Powerful preaching of a young boy. Une prédication puissante d'un jeune homme. Amazing. Étonnant. And from then onwards, et depuis ce jour, he was known as an apostle. Il était connu comme apôtre. But before that, mais avant cela, he was nothing. Il était rien. You will be nothing. Toi, tu ne seras till rien the anointing comes. Jusqu'à ce que l'onction. But when the anointing comes, l'onction viendra, your life will be changed. Votre vie sera transformée. Your life will be changed. Votre vie sera transformée. Into another man. Hallelujah. Hallelujah. How many want the anointing? Combien veulent l'onction? Beautiful. Magnifique. Now, David, in Psalm 89, Bible says, David déclare, thou hast anointed one that you have chosen from among the people. Tu as, ouais, tu as, ouais, celui que tu as choisi de parmi le peuple. God, Dieu, is using you. Il est en train d'utiliser. And choosing you. Et te choisir. And anointing you. Et toi. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Anointing. L'onction. Beautiful. Magnifique. Saul. Saül. In 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel chapitre 10. I'm reading from my book. Et je tire tout ça de mon livre. Steps to the anointing. Les étapes menant à l'onction. Steps to the anointing. Les étapes menant à l'onction. Catch the anointing. Recevoir l'onction. The anointed and his anointing. L'onction, loin et son onction. The sweet influences of the anointing. Et toutes ces influences de l'onction. Why do I have so many books about the anointing? Pourquoi j'ai écrit tant de livres sur l'onction? Because that is the difference in your life. That is what will make the difference. Parce que c'est ça qui fera la différence dans votre vie. I love these books. J'aime ces livres. I recommend them to you. Et je vous les recommande. Your life will change. Votre vie sera changée. Your life will change. Votre vie sera changée. The anointing. L'onction. Will make a difference. Fera la différence. In 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel 10. The Bible says. La Bible déclare. And Saul. Et Saül. Was turned. A été transformé. Into. Changé. Another. Man. By the anointing. Par l'onction. You know one day, vous savez, un jour, a friend of mine, un ami à moi, he knew me when I was in school. Il me connaissait lorsqu'on était à l'école. He came to my church. Il est venu à mon église. And he said, ah, il m'a dit, I don't recognize you. Je ne te reconnais plus. I don't recognize you. Je ne te reconnais plus. You look different. Tu as l'air différent. You know why? Vous savez pourquoi? When he left me, quand il m'a quitté, I was an organist. J'étais pianiste. In the church. À l'église. Can you see me? Est-ce que vous me voyez? Everybody look at me. Tout le monde, regardez. Look at me. Regardez-moi. Look at me. Regardez-moi. I'm coming to the organ. Je viens. Look at me. If you came in those days, si vous veniez à l'époque, you see me, vous allez me voir. Fair colored boy. Un garçon tessé. Standing behind. J'étais debout derrière. I used to play the organ. Je jouais. That was it. C'est tout, c'était moi. When he came back, et quand il est revenu, after many years, après plusieurs années, and then he saw, et il m'a vu, a major, une méga église, church building, un grand bâtiment. Hey, where I was going, et quand je partais, I just saw you. J'étais vu. How did you change? Comment est-ce que tu into this, en transformé en ça? By the anointing. La puissance de Dieu.
is what changed your life. Ceci va changer ta vie. Amen. Amen. Now, my life changed. Ma vie était transformée. In 1988. En 1988. And I always want to give you this testimony. Et je veux toujours donner ce témoignage. How many have heard of Kenneth Hagin? Combien ont entendu parler de Kenneth Hagin? The art of falling. L'art de suite. Beautiful. I used to listen to him. Je l'écoutais. You see, one day somebody gave me a book. Un jour, quelqu'un m'a donné un livre. He came to my house. Il est venu dans mon. And he had a book like this. Il avait un livre comme ça. And he came to me. And he gave me a book. Il m'a donné un livre. Small book. Un petit. He said, "This is good, eh?" Il a dit, c'est beau, hein? So I read it. When I read it, quand je l'ai lu, I realized, j'ai remarqué, that the book was very powerful. Le livre était très puissant. I said, I want more of this man. Et j'ai demandé, j'ai dit, je veux encore des livres écrits par lui. I found more books. Et j'ai trouvé d'autres livres. And I found preaching. Et j'ai trouvé la prédication. Par cet homme qui était. I was a teenager. J'étais adolescent. Yeah. You know, when the person gave me the book, I didn't know he was giving me my ministry. Quand la personne a offert le livre, je ne savais pas qu'il était en train de m'offrir mon ministère. Il offrait mon ministère. I thought it was a book, but it was my ministry. Je croyais que c'était un livre, c'était mon. All my cars. Ou mes voitures. All my trucks. Ou mes camions. All my ministry. Ou mon ministère. All my books. Ou mes livres. My crusades. Mes croisades. He was putting it in my hand. Il mettait ça dans ma main. In my father's house. Chez mon père. In Ghana. Au Ghana. He gave it to me. Il me l'a donné. I didn't know what he was doing. Je ne savais pas ce qu'il me donnait. I thank God for that. Et je bénis Dieu pour ça. Hallelujah. Hallelujah. But after that, après cela, I began to listen. J'ai commencé à écouter the preaching. À la prédication. That's why I put on preaching on the internet for you if you are interested. Si ça vous intéresse, vous avez les prédications sur l'internet. Videos of all. Podcasts, des vidéos, audio. Des podcasts audio gratuit. Free. Gratuit. If you are interested. Si cela vous intéresse. So I was listening. Donc j'écoutais. One day, un jour, in medical school, à l'école de médecine, in 1988, I had to go to a town in Ghana, not the capital, to study medicine. Je devais aller à l'intérieur du pays pour continuer les études en médecine. Medicine for rural people. La médecine pour les gens dans les pays à l'intérieur. Wow, rural. Rural. En province. Is it correct? Rural. Right, rural. 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 When I did all my work one night, quand j'ai fait tout mon travail en une nuit, my wife, who was not my wife, but she was my friend, she gave me a tape recorder. And this tape recorder was special. That's why I always borrowed from her. Because when it plays to this side, it comes back automatically, and it comes back. It never stops. You know, the old type, you have to turn it yourself. But the one she had was very nice, and it was red. J'ai implanté un magnétoscope auto-reverse de mon épouse. Bon, à l'époque, elle n'était pas encore mon épouse. Mais c'était très bien, parce que lorsque tu jouais, d'un côté, quand ça finissait, automatiquement, ça tournait au côté et jouait. So one night, et un jour, I was listening, j'écoutais, and I just always put together making preaching. Et je jouais toujours les prédications de Kenneth Hagin. One night in June, en juin, 1988, I knelt down by my bed. Je me suis agenouillé à côté de mon lit. At about 7 o'clock, vers 19 h, I was praying. Et je priais. But I fell asleep. Et je me suis endormi. Then I woke up. Je me suis réveillé. At about 2 a.m. À 2 h du matin. Suddenly, tout d'un coup, and I continued praying. Et je continue à prier. But you see, the tape recorder was still playing. Mais vous savez, la cassette jouait. It has been playing since 7 o'clock. Ça jouait depuis 10 h. Suddenly, tout d'un coup, in the middle of the night, au milieu de la nuit, at about 3 a.m., vers 3 h, something jumped out of the tape. Quelque chose est sauté de la cassette and entered my bed. Et est entré dans mon ventre. I felt it going into me. J'ai ressenti ça entrer dans mon ventre. Then I heard the voice. Et j'ai entendu une voix. And the voice said, et la voix dit, from today, à partir d'aujourd'hui, you can teach. Tu peux enseigner. From today, à partir d'aujourd'hui, you can teach. Tu peux enseigner. That was in 1988. Then I heard another voice. J'ai entendu une autre voix. And the voice said, et la voix dit, I
I will prove it to you. Je vais te le prouver. Wow. I will prove it. Je vais te le prouver. I will prove it to you. From today, à partir d'aujourd'hui, you can teach. Tu peux enseigner. I was 25 years old. J'avais 25 ans. I had a little church, 25 members. J'avais une petite église de 25 fidèles. In a classroom. Dans une salle de classe. When I came back, quand je suis revenu to the town, dans cette ville, and started preaching, et j'ai commencé à prêcher, somebody, quelqu'un, noticed, il a remarqué, and said, there is a difference. Il a dit, il y a une différence, dans frère Da. Yes. There's a change. Il y a un changement. Now, Ezekiel chapter 2, Ezekiel 2, verse 2, le verset 2, it says, dit, and the Spirit entered into me when he spoke to me. Quand il eut adressé ses paroles, l'Esprit entra en moi. Yes. The Spirit entered me. L'Esprit entra en moi. The Spirit entered me. L'Esprit entra en moi. When he spoke to me. You see, that night God was speaking. Voyez cette nuit, Dieu me parlait. Preaching was going on. La prédication passait. That's why I always listen to preaching. C'est pourquoi j'écoute toujours la prédication. I pity pastors who don't listen to preaching. J'ai pitié des pasteurs qui n'écoutent pas les prédications. Oh yes. I listen to preach as part of my life. Ça fait partie de ma vie. For hours. Pendant des heures. I rarely pray without preaching on. C'est rare pour moi de prier sans écouter la prédication. Yes. Preaching was. And the Spirit entered into me. Ezekiel chapter 2. Ezekiel 2. Verse 2. The Spirit entered into me. 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 When he spoke to me. Dès qu'il me so, when God is speaking to me. Quand Dieu parle. The Spirit is entering. The Spirit entered. Right now. Maintenant. As you are listening. Alors que vous écoutez. As you are hearing. Alors que vous entendez. The Spirit is entering. The Spirit is entering. Acts chapter 10 verse 44. Acts 10 verse 44. Acts chapter 10 verse 44. Acts chapitre 10 verse 44. Beautiful. Beautiful. Brilliant. Quand Pierre prononçait encore ces mots. Wow, Peter yet speak. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Wow. Wow. Wow, Peter. Quand Pierre speak. Prononçait. Wow, Peter was preaching. Pendant qu'il prêchait. In Cornelius' house. Dans la maison de Cornelius. In a room. Dans une salle. Wow, the preaching was going on. The Holy Ghost, le Saint-Esprit, fell tombé on all who were listening. Et tombé sur tous ceux qui écoutaient. That's what happened to me. C'est ce qui m'est arrivé. That night, cette nuit, I was listening. J'écoutais. I was praying. Je priais. The Spirit entered into me. L'Esprit entra. I was 25 years old. J'avais 25 ans. Today, aujourd'hui, you see, look at my teaching. Regardez, I am carrying a mantle. Je porte le manteau. The Hagen mantle. Le manteau. Mantle, un mantle, un manteau of Kenneth Hagin. That is how come I teach. C'est comme ça que je what I'm teaching. Aussi. This book, ces livres, over almost 20 million. Presque 20 millions. You see, when Kenneth Hagin died, quand Kenneth Hagin est mort, he had published 65 million books. Et publié plus de 65 millions de livres. And you see that mantle, et ce mantle is on me, et sur moi. And that's how come, et c'est comme ça, almost every African country you go, dans presque tous les pays africains, among visites, pastors and churches, églises, you'll find out that they have read my books. Tu verras qu'ils ont lu mes livres. Or are reading them. Ou ils sont en train de lire. Hallelujah. Amen. Are you listening to me? Vous m'écoutez. You see, it's not by might. Vous voyez, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. It's by the anointing of the Holy Spirit. Par l'onction du Saint-Esprit. It's an anointing. C'est une onction. One day, un jour, I had a vision. J'ai une vision. Do you people believe in vision? Est-ce que vous croyez aux visions? Do you believe in vision? Est-ce que vous croyez aux visions? Because I've been sharing a lot of visions with you. Parce que je partage beaucoup de visions avec vous. You know, one day I had a vision. Un jour, j'ai une vision. I was in my office underground. Dans mon bureau au sous-sol. Underground. Au sous-sol. And underground. Et au sous-sol. An angel came downstairs. Un ange est descendu. And he came to me in the underground office. Il est venu vers moi dans mon bureau au sous-sol. I was shocked. J'étais choqué.
And the angel said, et l'ange a dit, the angel was holding two things. L'ange tenait en main deux choses. The angel was carrying a jar, a glass jar. Il portait en main un pot en verre. A glass jar. Un pot en verre. Not a bottle, but a jar. Mais pas une bouteille, mais un pot. And do you know what was? It was holding a jar and a jacket. Et une veste. And the angel said, et l'ange a dit, this, the jar was full of ashes. Le pot était rempli de sang. And he said, this is your father. Et il a dit, ça, c'est ton père. What? Quoi? He said, your father is dead. Il dit, ton père est décédé. I was shocked. Mm-hmm. And these are his ashes. Et voici, c'est le sang. So the angel took the ashes and put the jar in a shelf. Donc l'ange a pris le pot et le placé sur un étagère. He said, this is your father. Et il a dit, ça c'est ton père. Then he said, this was his coat. Il a dit, ça c'était sa veste, son manteau. Wear it. Porte-le. So right there. Donc là-bas. I had to put on the coat. J'ai mis son and he said, you are going to wear this coat for some time. Il a dit, tu vas porter ce manteau pendant un temps. It's your father's coat. C'est le manteau de ton père. After some time. Après un temps. You will also go into the bottle. Toi aussi, tu vas entrer dans ce pot. And somebody else will wear the et coat. Et quelqu'un d'autre portera ton manteau. That's the mantle. Ça, c'est le manteau. That's the mantle. Ça, c'est le manteau. Receive your mantle. Recevez le manteau. Receive your mantle. Recevez le manteau. For your anointing. Your ministry. What ministry? Yes. Without this invisible jacket. Sans ce veste, if your eyes were open. Si vos yeux étaient ouverts. You would see many things. Vous allez voir beaucoup de choses. You would see me wearing. Vous allez voir. A very thick jacket. Allez me voir en train de porter un manteau épais. Very thick. Très épais. It's an anointing. C'est a power. C'est une puissance. It's a power. C'est une puissance. It's what makes the difference. C'est ce qui fait la différence. It's what makes you do what c'est you can do. C'est ce qui fait que vous faites ce que vous faites. It's what changes you. C'est ce qui vous change. From an unknown carpenter. Un charpentier inconnu. To a worldwide savior. There are un sauveur du monde entier. It's the jacket. C'est le manteau. It's the mantle. C'est le manteau. May you be anointed with your mantle. Soyez ouin par ton manteau. May you carry the mantle. Portez votre manteau. May you carry the anointing. Portez l'onction. May you wear the mantle. Portez votre mantle. That God has called you to. Que Dieu t'a appelé à porter. May you walk in it. Que vous puissiez marcher. Whatever God has called you to do. Dans ce que Dieu t'a appelé à faire. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now many people don't know. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent how precious it is. Combien c'est précieux. To be anointed. One. If you knew. Si vous saviez. And that is why when you touch an anointed person. C'est pourquoi quand vous touchez à loin. You can die. Vous pouvez mourir. Because it's wearing. Parce qu'il porte la veste. And strike. Et vous le frappez. You strike. Vous le frappez. And you strike. The Holy Ghost. Vous frappez le Saint-Esprit. C'est pour cela. It becomes a problem. Ça devient un problème. It's one of the most dangerous. C'est une des choses les plus dangereuses. That's why Jesus said. C'est pourquoi Jésus a dit. All sins will be forgiven. Tous les péchés seront pardonnés. But when you strike, mais quand vous touchez anointing, à loin, the Holy Ghost, et le Saint-Esprit, you'll not be forgiven. Vous ne serez pas pardonné. You must be careful. Vous devez être with people who are carrying. Avec les gens qui portent l'onction and power. Et la puissance. Hallelujah. Alléluia. So today, donc aujourd'hui, God sent me here. Dieu m'a envoyé ici. To speak to you. À vous parler. He wants to anoint you. Parce qu'il veut vous joindre. And give you et vous donner something quelque chose that will change everything. Il va tout changer about your ministry. Concernant votre ministère. Lift your hands and receive. Levez les mains. Lift your hands and receive. Recevez les mains. The anointing. L'onction. The anointing. L'onction. The anointing. L'onction. Thank you.
Vous devez aller fréquenter des conférences. Et Dieu
I went to Korea. Je suis allé en Corée. I went to America. Je suis allé aux États-Unis. Looking for anointing. Je cherchais l'onction. Looking to see. Je cherchais. Looking to learn. Je voulais apprendre. Looking to receive. Je voulais recevoir. He said, arise. Il a dit, lève-toi. Go to the place. Va. I will speak to you there. Je te parlerai là-bas. Deutéronome chapter 12. Deutéronome 12. Verset 13. Read. Deutéronome 12, verse 13 and 14. Deutéronome 12, 13 et 14. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Not everywhere. C'est pas partout. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je te t'entends. Alléluia. Alléluia. Not everywhere. Ce n'est pas partout. Where I choose. Mais là où je choisis. Where I choose. Là où je choisis. Today. Aujourd'hui. Listen carefully. Écoute. God is choosing for you. Dieu choisit pour toi. Places. Des endroits. Places. Des endroits. Places. Des endroits. Go there. Ici. Va là. Go there. Va là-bas. I'll meet you there. Et je vous rencontre. I'll speak to you there. Je vous rencontre. God met me in Suhum. Dieu m'a rencontré dans cette ville à Suhum. A town in Ghana. Une ville au Ghana. Yes. He didn't meet me where I live. Il ne m'a pas trouvé là où je suis. He had planned to meet me there. Il avait planifié de me trouver là-bas. All the years I've been in Accra. Pendant toutes les années où j'étais à Accra. I never had this experience. Je n'ai jamais eu cette expérience. One day. Mais un jour. In another town. Dans une autre ville. Somewhere. Quelque part. Where God had chosen. Où Dieu avait choisi. He anointed me. Il m'a oint. Lift your hands. Levez les mains. God is calling you. Et Dieu vous appelle. Il va vous oindre puissamment to do his work. À faire sa volonté. Mighty. Puissamment. Jesus, thanks. Jésus, merci. Jesus, thanks. Jésus, merci. Thanks for Miriam. Merci. For everything. Autour. Thanks for your love. Merci pour ton amour. Thanks for your power. Merci pour ta puissance. Thanks for calling us. Merci de nous appeler. Thanks for sending us. Merci de nous envoyer. Thanks for using us. Merci de nous utiliser. Thanks for your power. Merci pour ta puissance. Your mighty spirit. Ton Saint-Esprit puissant. We praise you, Lord. Nous te louons. We love you, Jesus. Nous t'aimons, Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. For your healing. Pour ta guérison. Your blessing. Ta bénédiction. Your power. Ta puissance. Your grace. Ta grâce. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Receive the grace. Receive the power. Receive the puissance. Thank you, Jesus. Merci, Père Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Give the Lord a mighty clap offering. Acclamez.